Pas de bruit, c'est Tatine de gomme. Et y'a pas tout le monde, bonjour, bienvenue, merci de refaire un tour sur la chaîne. Deuxième vidéo de la journée, totalement incroyable. Je me permets le poste pour vous partager un réglage qui, je pense, va régaler surtout les joueurs manettes, bien qu'au volant, ce monstre est passable, ça se tient. Cependant, pour les joueurs manettes, je vous donne des petites astuces de pilotage, n'est-ce pas, je me la raconte. N'hésitez pas à tomber la une, hein, vraiment, en dérive, en retenue, n'hésitez pas à tomber la une. Ou alors faites un étagement de boîte plus qualitatif que le mien. D'ailleurs, en parlant d'étagement de boîte, on va pas perdre de temps. Je vais vous partager un réglage. Tout de suite, comme je viens de vous le susnommer, ça passe manette, ça passe sovolento, mais bah y a pas de mais en fait. Voilà. Donc vous faites ce petit réglage réglagien de la driftation, n'est-ce pas? Et vous m'en donnez des nouvelles. On va se laisser avec un peu de replay en tandem cockpit. J'ai décidé. Big up, bisous, bisous. Pourquoi? Je sais pas. C'était Anto. Ah, c'est à la rage totale aujourd'hui. Allez, abonne-toi, frérot. Pour le 22, c'est pour la team qui drift. Là c'est l'acte 2, on voit le pack de pneus. On passe juste, ouais, ça passe de peu. J'arrive comme un condé dans un sac de bœuf. C'est pour les pirates qui passent leur temps sur le volant. Après t'es comme acquis, t'es un crack dans les tournants. Mon travers à la plaquille, les roues on les a braqués. Les chauffards du dimanche en psychose dans le baquet.